Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième jour des idées menus et je pense que je vais rapidement arrêter de montrer avec mes doigts, ça va commencer à être compliqué. Bref, vous allez voir, je vous ai trouvé des recettes un tout petit peu plus élaborées dans le sens où on peut les présenter de manière un peu plus élaborée. En soi, c'est pas compliqué, c'est juste qu'on peut faire une présentation assez sympa. Je me suis dit que c'était l'occasion du coup de vous montrer un petit peu des choses si vous voulez sortir un peu de l'ordinaire ou en tout cas mettre un repas un peu plus à l'honneur sans que ce soit pour autant compliqué. C'est parti, on attaque directement par la première recette. Alors c'est une verrine de poivron, de tofu et de pignon de pin. Sachant que c'est plus trop la saison du poivron, en tout cas si vous n'en trouvez pas, vous pouvez le remplacer par de la carotte. Déjà le visuel sera à peu près identique et au moins on se retrouve avec un légume qui est vraiment de saison. En deuxième idée, donc pour le plat principal, je vous ai trouvé quelque chose qui m'a bien inspirée. C'est un hachis parmentier à base de légumes. Alors là, cette fois-ci, il ne va pas y avoir de hachis végétal, de choses comme ça, de substituts carnés. On est vraiment sur de la pomme de terre, des légumes, des champignons. Vous verrez dans la recette, j'ai trouvé que les proportions étaient un peu petites. Voilà, je pense que en ce qui me concerne, je vais doubler les doses, quitte à en congeler un petit peu, mais j'ai trouvé que pour 4 parts, ça faisait un peu juste. Après, à tester, peut-être que c'est juste une impression, mais c'est en tout cas le sentiment que ça m'a laissé. Et enfin, en dernière idée, je vous propose une tarte amandine. Voilà, donc c'est une tarte avec de la frangipane à peu près, ou en tout cas de la crème d'amande, mais végétale. J'ai trouvé pas mal parce qu'elle, elle a trouvé visiblement une recette où, à la place de mettre de la crème végétale, elle met du yaourt végétal. Et apparemment, dans la texture et dans le rendu, on est sur quelque chose de beaucoup plus aérien et qui ressemble beaucoup plus à la tarte initiale. Donc, comme d'habitude, les images que je vous ai mises sont issues des sites sur lesquels vous trouverez les recettes. Les dites recettes se trouvent en description juste en dessous. Si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos et des prochains menus, et bah du coup, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, bon appétit et à très vite. Bye bye. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Oui, t'as voulu dire bonjour à tout le monde? Oh là là, oh tous les poils, oh tous les poils.